Et lorsque vous vous retrouvez enfermé dans votre mental projectif, alors c'est le moment de regarder cela, de contempler cet enfermement dans une sorte de boîte conceptuelle. Dès qu'il y a conscience de cet enfermement, dans cette boîte conceptuelle, il y a distanciation parce que la liberté propre à la conscience elle-même se révèle alors comme dans une non-implication. Non-implication dans le processus mental. Idée, mémoire, concept, opinion, jugement, point de vue. Ça fait beaucoup parce que, une fois que vous retirez tout ça, vous voyez ce qui reste. Ce qu'on appelle ma vie, ben c'est tout cet agrégat-là. Alors qu'est-ce qui reste de votre vie quand cet agrégat-là n'est plus là ?